des notes pour avoir des certitudes dans une course vers les places du voyage. Lamine Diaye fait ses dernières prises en attendant d'avoir ses élus pour la bataille de Lilongwe. Le coach des Corbeaux fait face à un problème de riche. Le franco-sénégalais vient de récupérer un de ses internationaux de son groupe parti jouer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ibrahim Keïta, titulaire avec la Mauritanie contre le Gabon le week-end dernier, est de retour à Kamalondo. Devant le Boumbashi Sport, c'est les Zimbabwéens Gilroy Chimoimoui qui a occupé le couloir droit. Signe qu'il y a certaines équivalences dans l'effectif du club de Moïse Katumbi. Comme il le dit depuis son arrivée, Mamadou Lamine Diaye ne prendra que les meilleurs du moment. Tout le monde devra saisir sa chance. Je pense qu'il a aussi sa chance, comme les autres. Vous savez, on est une équipe. On va gagner les matchs pas à 10, pas à 11, mais à 20, à 18, etc., etc. Parce que souvent, les gens qui rentrent du banc, ils font la différence aussi. Mais dire équipe type ou équipe machin, non. Et si les gens de l'équipe type sont malades, on fait comment? Là, vous me donnerez la réponse après. Non, non, ce n'est pas ma conception, sincèrement. Moi, ma conception, c'est tout le monde au même pied d'égalité et puis les meilleurs du moment jouent. Le sourire reste collé au quotidien des Corbeaux qui ne cachent pas leur enthousiasme à prendre du plaisir dans ce début de saison. Une puissance offensive, 8 buts marqués en 3 matchs de championnat. Lamine Diaye a pourtant encore soif. Et ses joueurs veulent soulager son envie, mais il devra patienter d'ici dimanche pour le grand début du géant club congolais en Ligue des champions africaines.